problème du transport. Micro, s'il vous plaît. Oui, je suis entièrement d'accord avec vos propos. Je crois que le problème du transport est un problème fondamental, qu'il faudrait trouver une solution. Mais j'ai essayé au niveau de l'Union européenne de voir quelles sont les implications que l'Union européenne pourrait nous apporter pour que justement le problème du transport puisse être en quelque sorte atténué, puisque nos produits arrivent dans les régions ultrapériphériques et notamment aussi dans vos îles à des prix qui sont très élevés. Justement, c'est dû au transport et il faudrait qu'on puisse ensemble se pencher sur ce problème. Alors, je vais proposer certainement des réunions avec l'ensemble des régions ultrapériphériques, avec aussi les îles de la mer Égée, pour voir dans quelle mesure on pourrait ensemble trouver une solution qui serait compatible avec les principes de l'Union européenne. Merci, Monsieur Tirolien. Nous passons aux interventions à la demande. J'ai une demande de parole de la part de João Ferreira. Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Comme nous l'avons toujours dit, les conditions naturelles qui pèsent sur les régions ultra-périphériques